Rebabosi kataya, derebarose te amangere braso kate amasi kapate apate sita ida rabda idere rosa. Rebabosha kata ike tere brase amandorosa. Rebababa shike pakori amaze idororo sadere amandere brase ke pakori amaza. Imandoro base amare baboshi kataya amare baboso pate amala. Shaka, magnifique présence de Dieu, Réabarossi à Mandere, Shiara da Bahaya. Nous voici à nouveau devant toi, Rézi à Mandere, Baboshi à Nara, Brazé à Mandere, Kataya, Narava, Ribaboshi, Kataya, Nere, Rose à Mandoro, Bazete, Nara, Baboshi à Nara, Brazé à Rebabashi, Kataya, Mandere, Rosi à Nere, Rosi à Mare. Shidara braze amanduru basiketea Reba boshi kapate amanduru baze amale pakata yamandere brozi amale braze ando Shandere rozi amandere rosata yamandere Rassemblée des quatre coins Seigneur des nations Nous voici devant toi Ce matin encore pour chercher ta glorieuse face au Dieu Reba bosaka Assoiffé de toi, nous nous présentons dans le nom de Jésus-Christ. Ribabo sakataya, ribabo shikataya, ererosia, materia, marabia, ererosaya, narabaderea, ribabo kata, oh Dieu, ribabo sia, narabia, sia, manderea, marosia, barea, narababa, shikataya, rerababo shikataya, rerababa, ropa seta, pataya, mandere. Magnifique Saint-Esprit, nous en appelons à toi, Récia. Connecte-nous, Saint-Esprit, nous te le demandons humblement ce matin dans le nom de Jésus. Récia, Kapakoria, Mazé, Pataya, Reba, Baba, Baba, Yera, Rabia, Zia, Mandere, Roseya. Connecte-nous dans nos maisons, connecte-nous, Seigneur notre Dieu, de nos lieux. Au travers de toutes les nations rassemblées pour cette convocation, nous nous tenons devant toi maintenant, Seigneur. Invoquons le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms, le nom qui nous donne accès, le nom qui nous introduit dans le Saint des Saints, le nom de Jésus le Christ, notre Sauveur, notre Bienfaiteur, notre Aîné, notre Grand Frère, notre Héros, Résia, Pata, Sakapate, Reba, Babashi, Andara, Brazé, Tere, Babé, Abara, Rikoto, Seya, Mandele, Rosata, Aïra, Raba, c'est lui que nous voulons glorifier, Jésus le Christ, Are, Rosi, Amanda, nous n'avons de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné, par lequel nous devions être sauvés. Celui qui nous a sauvés, nous sommes reconnaissants. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'exalter, nous voulons le célébrer. Rebabo shikataya, rebaba santaya, robaba kataya barea. Oh, ce matin nous voulons proclamer que tu es digne, agneau de Dieu, toi qui es monté sur cette croix pour chacune de nos vies. Toi qui n'as pas regardé ton égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais qui s'est humilié, se rendant semblable à un homme souffrant, homme de douleur, habitué à la souffrance. Seigneur, tu es digne, digne es-tu, agneau de Dieu. Ce matin qu'il est digne, l'agneau de Dieu qui est immolé en rédemption pour la rémission de nos péchés, il s'est substitué à nous, il a pris notre place, il nous a donné sa vie, digne es-tu, nous sommes rassemblés pour t'honorer, nous sommes rassemblés pour te célébrer, nous sommes rassemblés proclamez ta seigneurie, agneau de Dieu, tu es digne,
Opate kapata, rite seke taya, reba baba bashata ya. Le rassemblement des nations au travers de ces 21 jours est pour toi. Tu en es digne, Jésus, toi qui es monté sur une croix, innocent mais pourtant condamné à notre place. Tu es digne, agneau de Dieu. Repakota sekapata yamandele braziana la marina la briandele losia. Au travers de la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, oh Dieu, nous voici répondant à cette convocation. Au travers de cette campagne, Seigneur, de prière, c'est toi que nous voulons élever, c'est toi que nous voulons et personne d'autre. C'est toi seul l'objet de notre admiration, c'est toi seul l'objet de notre contemplation, c'est toi seul l'objet de notre dévotion, c'est toi seul, vers toi seul nous adressons nos prières et nous commençons, Seigneur, par t'élever parce que nous reconnaissons que tu es digne, oh Dieu de gloire, incomparable es-tu, personne n'a fait ce que tu as fait pour nous, oh Dieu, jusqu'à maintenant. Ta fidélité a toujours parlé, Seigneur notre Dieu, pour nous. Alors nous reconnaissons que tu es digne, agneau de Dieu. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence, disant, digne es-tu, agneau de Dieu. Rezipakata sataya bariabara. Bien aimé, élevons-le, célébrons-le, contemplons-le, admirons-le. Il est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Il a pris notre souffrance, il a pris nos maladies, il a pris notre condamnation, il a pris notre honte. Il a tout porté, bien-aimé, afin que nous soyons libres. Libres de le louer, libres de l'adorer, libres de le servir. Personne n'est comme toi, aucun maître n'est semblable à toi. Seigneur, nous venons avec joie, avec beaucoup de célébration dans ta présence, parce que nous reconnaissons que tu es digne. Oh, Rezi Kapata Santa Yabrazia Marela Rabahosia, Rebabo Sekete, Ropa Kapata Santaya, Rebababashia Labrahine Rosia, Labriane Rosia. Il est la parole de Dieu. Choses ont été créées par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Au commencement, il était là, et jusqu'à présent, bien-aimé, il est là. Il nous a dit que jamais il ne nous délaisserait, jamais il ne nous abandonnerait, et nous voulons célébrer sa fidélité. Il est fidèle à sa parole, notre Dieu tout-puissant, nous t'honorons. Jésus le Christ, Jésus notre Sauveur, Jésus notre bienfaiteur, le Christ notre époux, le Christ notre bien-aimé. Nous proclamons ce matin que tu es digne, 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 digne. En Europe, tu es digne. En Afrique, tu es digne. Oh, dans les Caraïbes, tu es digne, Seigneur notre Dieu. Tu es digne, ô Père. En Asie, tu es digne. Au travers de tous nos rassemblements, Seigneur, ce matin, nos cœurs sont pour toi. Rassemblés pour te dire que tu es digne, 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 digne. Repata sataya, rope ke pakata, reba baba ila labraine lelozia labriana. Contemplons, bien-aimés, ce matin l'œuvre de la croix, là où il nous a donné sa vie, là où il a payé le prix pour nous. La brise kapataya. La Bible dit qu'à Gethsemane, il a été pressé, il a crié à Dieu en agonie.
jusqu'à ce que sa sueur se transforme en brumeau de sang sur la terre des vivants. Il était en train, bien-aimé, de combattre pour que nous soyons réalignés dans notre destinée, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Quelle grâce de ce que désormais la voie est ouverte pour nous, pour faire la volonté du Père. Hier, cela n'était pas possible parce que l'ennemi tiraillait nos villes, l'ennemi nous ramenait à des desseins funestes, à des projets macabres. Mais Jésus-Christ, il s'est levé, il a dit me voici, il a payé le prix. Désormais, bien-aimés, réjouissons-nous dans sa présence parce qu'il a payé pour nous, pour que nous fassions la volonté. Oh, celui qui a déclaré, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous nous réjouissons dans ta parole, oh Dieu, parce que cette parole est vérité, elle est certaine. Il a payé le prix avec son sang qui a été versé pour sceller cela, bien-aimé. Qui es-tu? Résia Maramana, Ropake Pataya, Ripake Taï. Nous venons avec des chants d'allégresse, des chants de louange dans ta présence, oh Dieu, pour reconnaître que tu es dit. Rosi amane rosa, le baba baba baba, ropa amane le rosi anana. Bien aimé, il a porté une couronne d'épines. Il a payé le prix afin de nous délivrer de toute la puissance des ténèbres qui s'était déversée sur nos têtes. Il nous a rendus intelligents, il nous a rendus sages. Il a remis en nous, bien aimé, la capacité. La capacité de concevoir, la capacité d'être créatif à nouveau, la capacité de se projeter. Il a renouvelé notre vision, bien aimé, pourquoi ne pas ce matin, oh, avec sincérité, avec les louanges, nous tenir devant lui en disant que tu es ici. Voilà pourquoi nous nous réjouissons. Parce que tu as payé le prix pour nous, Seigneur, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ. Et ce matin, nous contemplons les merveilles, les bontés de notre Seigneur. Elles se sont renouvelées ce matin encore. Voilà pourquoi nous venons humblement nous humilier pour te dire que tu es digne. Nous voulons célébrer celui qui a accepté que sa barbe soit arrachée. On lui a enlevé sa dignité, on lui a enlevé ses honneurs, on lui a enlevé, bien aimé, tout ce qui se faisait sa dignité. Il a accepté d'être humilié de cette manière, de manière à ce que nous ne nous soyons plus jamais humiliés, de manière à ce que nous ne portions plus la honte. Oh, les traitements d'hier, les mauvais traitements, les paroles désobligeantes, les paroles de condamnation, tout ce que nous avions subi et qui nous maintenait dans la honte, il a payé le prix pour que nous soyons libérés. Bien aimé, c'est par son sang, alors célébrons-le ce matin. Digne es-tu, Rebabosia, Ropakataya, tout puissant est notre Seigneur. Il a accompli ce que personne ne pouvait accomplir. Il a payé le prix, il a humilié la puissance des ténèbres. La Bible dit qu'il les a traînés dans son cortège triomphal. Et lorsqu'il a triomphé, le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Oh, Rababa, c'est Kataya. La mort et le dard de la mort, le péché. Il nous a affranchis du péché, il nous a justifiés, il nous a déclarés non coupables. Par son sang, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Est-ce que nous sommes en train, tous ensemble ce matin, de célébrer, d'honorer, de glorifier Jésus? Rebabosaya, aucun autre que lui, personne que lui n'est digne, digne, digne de ce moment de célébration, ce moment d'admiration. Il a accepté, bien aimé, de tourner son dos à ses adversaires.
terre afin de porter le poids de l'esclavage. Nous libérons de cette manière de toute forme d'esclavage. Ils ont labouré son dos, bien-aimé. Ils ont creusé les sillons dans son dos. Son dos a été labouré. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris dans nos corps mortels. Et par son esprit, esprit de vie, il nous vivifie. Oh, la baba, nous sommes affranchis, délivrés de toute forme d'esclavage. Qui aurait pu nous délivrer de la puissance des ténèbres? Qui aurait pu nous transporter du royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de son Fils bien-aimé? Il est Jésus-Christ. Oh, célébrons-le, magnifions-le, honorons-le. Oh, digne es-tu. Forme d'ignominie, là où il a porté notre propre, là où il a porté notre confusion, là où il a porté notre échec, notre défaite. Oh, agneau de Dieu, nous t'honorons, agneau de Dieu, nous te célébrons. Viva vosi abaria, nelerosi abare, yarara baba shakataya, reba vosi anelerosi, opakeri amanelerosi araba baba. À cause de l'œuvre de la croix, bien-aimée, par sa grâce, nous pouvons nous tenir debout. Et la Boschia, la Valosia, il a accepté, bien-aimé, les clous ont été plantés dans ses mains. Il a été blessé dans ses mains, fragilisé dans ses mains, bien-aimé, afin de nous retransférer l'autorité, afin de nous retransférer la productivité, la responsabilité. Oh, Chia, Valosia, ton œuvre est merveilleuse, ton œuvre est excellente, ton œuvre est parfaite, ton œuvre est totale. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a déclaré, avant de rendre l'esprit, il a dit, tout est accompli, bien-aimé. À cette reprise, le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous rétablir, pour nous restaurer, pour nous affranchir, pour nous guérir. Alors ce matin, oh, célébrons notre victoire en Jésus-Christ. En 2022, Seigneur notre Dieu, ton sacrifice demeure. Oh, éternellement, à jamais nous te louons, Jésus. Digne es-tu, agneau de Dieu. Ropakapata, Seigneur, par ses mains blessées, bien-aimées, et son sang qui a coulé de ses mains, il nous a donné l'autorité, le pouvoir de saisir les serpents, de leur briser la nuque. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un est en train de célébrer ce matin? Ropakotaya, Ribabosikapata, Ropatea Manele. Et que dire des pieds bien-aimés qui ont été coulés? Et le sang a coulé de ses pieds. Ses pieds ont été fragilisés afin que nos pieds soient fermés. Il a été fragilisé au niveau de ses pieds afin que nous, bien-aimés, nous soyons fermement établis. Voilà pourquoi nous pouvons marcher avec assurance. De marcher sur des lieux élevés. Il nous donne de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, avec cette assurance qu'il nous donne que rien ne pourra nous nuire. Nous marchons sur le chemin qui a été tracé, sur la voie nouvelle inaugurée par le sang de Jésus-Christ dans notre destinée. Nous marchons avec assurance, pas après pas, et nous sommes certains qu'il nous conduit vers la gloire. Percé sur son côté, une lance a traversé ses côtes et rentré à l'intérieur. Le sang a coulé, il nous a affranchis de toutes les douleurs internes. Il nous a affranchis, bien-aimés, de tous les maux. Il nous a affranchis de tout ce qui pouvait gangréner notre
Seigneur. Il agit puissamment. Il y a plus de 2000 ans maintenant. Et aujourd'hui, nous nous tenons dans le sang, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et rendre grâce, rendre grâce, rendre grâce pour l'œuvre de la croix. Rendre grâce pour le sacrifice qui a été consenti. C'est par amour que le Père a donné Jésus le Christ, son unique, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. C'est à la vie qu'il nous a appelés. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. C'est notre espérance, c'est notre appui, c'est notre fondement. Il est notre gloire, il est notre justice, il est notre bouclier, il est notre rédempteur. Alors est-ce que nous pouvons élever la voix, bien-aimé, de là où nous nous tenons? Ce matin, des quatre coins, le rassemblement des nations est pour Jésus-Christ. Honorons, célébrons, bénissons et rendons des actions de grâce. Ropa ke pata sataya rababoshia, rebaboshia rababa, rekotosia, rebaboshia rababoshika taya rababa. Rendons grâce à Jésus, rebabosataya, rebababa ya rababa. Rendons grâce à Jésus, rababoshia rababa. Repaposaya, disons rendons grâce à Jésus, repakota sataya. Parce qu'il a accompli ce que personne ne pouvait accomplir pour nos vies, pour notre destinée, pour notre postérité. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que tout le monde confesse que lui seul est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père, à la gloire du Seigneur. Alors bien-aimés, rendons grâce ce matin, rendons grâce au Père pour son amour, rendons grâce au Père parce qu'il nous a donné Jésus, rendons grâce au Père parce qu'il nous a conduits jusqu'ici, rendons grâce bien-aimés et rendons grâce au Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit de gloire, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, celui qui nous conduit pas après pas, celui qui nous mène dans les sentiers de la justice divine, celui qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Honorons le Saint-Esprit. Honorons, honorons l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu parce qu'il est puissant. Il est puissant. Oh, dans le livre de Job 36, au verset 5, la Bible dit Dieu est puissant. Il est puissant par la force de son intelligence. Il a démontré. Il a démontré sa puissance en envoyant Jésus-Christ à la croix et en le ressuscitant le troisième jour. Oh, est-ce que nous pouvons bien aimer? Oh, rendre grâce parce que Dieu est puissant, puissant par son esprit. Rekoto sakapataya, ribabosia maria, rekapakoria, rebaboshi kataya maria, mandorosia daraba. Père, nous voulons t'honorer ce matin, nous voulons t'admirer ce matin. Au nom de Jésus le Christ, le seul qui nous a été donné, nous glorifions Jésus Christ, nous glorifions le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms, le seul par lequel nous nous tenons ce matin encore, le seul qui nous donne d'espérer, le seul qui nous donne de tenir, parce que nous plaçons notre confiance en lui. Et nous savons, bien aimé, que jamais il ne faillit, jamais, jamais, oh, rébamos, dans le nom de Jésus, bien-aimés, ce matin, nous sommes rassemblés et nous voulons élever.
élever nos voix, bien-aimés, nous voulons recommander le mois de février 2022 entre les saintes et divines mains du Seigneur notre Dieu. Il a dit dans sa parole, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Celui qui nous a conduits jusqu'ici, celui qui nous a permis, celui qui nous a conduits en 2021 et qui nous a introduits dans 2022 par sa grâce, seulement par sa grâce. Il a signalé sa droite, il a signalé sa puissance et nous voulons compter encore sur lui pour février 2022 pour nous conduire au Dieu. Recapatosia, repataya manelerosia darabama. Seigneur notre Dieu, par ta parole, par ton esprit, tu bâtis ton église et jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Mais Père, nous savons que tu n'as pas fini. Celui qui a annoncé par la bouche de son serviteur de manière prophétique une décennie de domination et qui nous a conduit en 2020, qui nous a conduit en 2021, qui nous a introduit dans 2022 d'avance. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, tout confier notre mois de février 2022. Bien-aimés, levons la voix. Pour chaque jour, les 28 jours de février 2022, nous voulons te dire que nous comptons sur toi, nous voulons te dire que nous espérons en toi, nous voulons te dire, Seigneur notre Dieu, de toutes les manières, Père, nous n'avons personne d'autre, seul le nom de Jésus nous a été donné, nous ne pouvons compter que sur toi, Seigneur notre Dieu, pour chaque instant, pour chaque moment de février 2022, nos yeux sont sur toi, oh Dieu, nos yeux sont sur toi, nous comptons sur toi. Recapata, tu as dit que tu agirais. Oh Dieu, viens agir en février 2022. Oh Dieu, étends ta main sur février 2022. Oh Dieu, c'est toi qui annonçais par la bouche de ton serviteur 2022. Seigneur notre Dieu, nous savons que les ténèbres ont des projets pour 2022. Mais nous, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Mais nous, nous espérons en toi. Et nous nous comptons sur toi. Voilà pourquoi, Père, sur la recommandation de ta parole, nous venons te confier ce mois de février 2022. Nous te recommandons chaque instant. Nous te recommandons, Seigneur, oh Dieu, chacune de nos vies. Nous te recommandons nos nations en février 2022. Nous te recommandons nos pas. Nous te recommandons ton église. Nous te recommandons nos familles. Nous te recommandons, Seigneur, notre Dieu, chacune de nos vies, oh Dieu. En février 2022, oh Libara, pour voir encore, Seigneur, oh Dieu, ta gloire éclater au milieu des ténèbres, assurément tu le feras, et nous nous réjouissons, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te donnons gloire pour février 2022. Bien-aimé, sur le mois de février 2022, nous allons élever nos voix. Et nous allons prier au mois de février à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous prions que chaque membre de la famille Impact Saint Chrétien découvre et accomplit son destin sur cette terre. Il a convoqué ces 21 jours bien-aimés afin que nous puissions nous tenir devant lui pour enfanter dans la prière notre destinée. Alors bien-aimés, prions pour le mois de février 2022. C'est le mois au cours duquel tout enfant de Dieu, Impact Centre Chrétien, tout membre de cette famille spirituelle découvre et rentre pleinement dans l'accomplissement de sa destinée parce que Jésus-Christ a payé le prix. Bien aimé, dans le livre de Luc 22, 41, 44, la Bible dit qu'il a prié. Il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Bien-aimé, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il a payé le prix pour que nous, nous fassions la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est ce qu'il a réservé pour nous. C'est la destinée glorieuse qu'il a réservée à ceux qu'il aime. Alors élevons nos voix, bien-aimé. D'avance, nous te recommandons, Seigneur, en février 2022. Que cela devienne de plus en plus concret, Seigneur, pour chaque membre de cette famille spirituelle, oh Dieu de gloire. Rekota Sataya, Repapapa, Inamoshia, en février 2022, Seigneur notre Dieu,
les voix qui avaient escorté, les voix qui avaient harcelé, les voix qui avaient intimidé, les voix qui avaient voulu retenir jusque-là. Oh, béni sois-tu, Père, pour ta parole dans laquelle, Seigneur, tu nous as conduits tout le long de 2021, où tu nous as parlé, Seigneur, des forteresses qui se dressaient prétentieusement, des raisonnements, toutes sortes de raisonnements et de hauteurs qui se dressaient contre la connaissance de Christ. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as envoyé cette parole et que tu as suscité en nous, Seigneur, oh Dieu, une sainte colère. Tu as fait de nous, Seigneur, des violents sur le plan spirituel pendant que nous nous tenons dans ces 21 jours et par la suite, Seigneur notre Dieu, de sorte à enfanter cette destinée, à renverser ces forteresses, à renverser les raisonnements, à abattre, Seigneur, toutes les hauteurs qui voulaient nous retenir, qui voulaient nous dévier de notre destinée. Elles ont échoué, elles échoueront encore lamentablement en février 2022 au nom de Jésus. Repakotasa, ripapakataya, ropata. Nous te rendons grâce de ce que tu as réveillé ton peuple au travers de la prière, ô Dieu de gloire. Dans cette campagne, nous prions, ô Dieu de gloire, pour te recommander notre destinée. Enfantée en février 2022, elle sera, Seigneur, affermie, elle sera manifeste, elle sera clarifiée pour chaque membre d'Impact Centre Chrétien, ô Dieu. Nous marcherons dans les sentiers de ta justice, ô Dieu. Nous ne dévirons ni à gauche ni à droite. Au nom de Jésus le Christ. Repakota sataya bareyabara. Ribabosia. Hararababoshia. Rebababa. Parce que Jésus-Christ a été en agonie près de la mort. La Bible dit qu'il priait avec instance. Il priait instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Père, à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à Gethsémané, accorde à chaque membre l'impact centre chrétien de rentrer pleinement dans l'accomplissement de sa destinée. Les œuvres que tu as réservées, ô Dieu, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, ô Dieu. Nous voici, Père, plaidons le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus que nous rentrons pleinement. C'est par le sang de Jésus que nous rentrons avec assurance dans cette destinée glorieuse que tu as prévue, ô Dieu. Nous te rendons grâce parce que cela s'accomplira dans le nom de Jésus. Repapatasata, repababababashiyalabaniyamanabababa. Élevons nos voix, bien-aimés, et prions au mois de février 2022. À cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous, nous prions aucune maladie, aucune infirmité, aucune dépendance, aucune addiction, aucune oppression, aucun esclavage, oh, ne nous retiendra. Et les ennemis de nos âmes qui dominaient jusque-là sur nous, nous commandons au nom de Jésus-Christ, aucun de ces ennemis ne dominera plus jamais sur nous. Au nom de Jésus, bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe 50, verset 6, la Bible dit, et c'est lui qui parle, c'est le Seigneur qui parle, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats à cause du sang bien-aimé qui a coulé du dos de Jésus-Christ. Il a plié le dos, signe de l'esclavage, afin que toi et moi, de partout où nous sommes connectés dans toutes nos nations, que nous n'ayons plus jamais à plier le dos. Aucune forme d'esclavage. La maladie, c'est l'esclavage. L'oppression, c'est l'esclavage. C'est la tyrannie du diable. Nous la rejetons, nous la repoussons, bien-aimés. Levons la voix au nom de Jésus-Christ. En février 2022, aucun membre d'un pacte centre chrétien ne pliera sous le poids de l'esclavage, sous les fardeaux que l'ennemi voulait nous imposer. Les addictions, les maladies, les infirmités, nous les réprimons par le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau parlera pour nous en février 2022. Au nom de Jésus-Christ, élevons, élevons nos voix bien-aimés. Rekapakodiabara, ripapakata santaya, ropakepata, ribababa. Aucune condamnation
contre les élus de Dieu. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous bien-aimés. Plaidons, plaidons, plaidons le sang de Jésus sur nous, sur nos familles, sur notre église, partout où nous sommes établis dans les nations. Rekapa Kodiaba, Ribabo Sekapa, Rebababa Shikapata, Riziamandelelozia, Ropakata Yaraba, Rebababa Shata. Pourquoi accepterions-nous de porter à nouveau des condamnations, des afflictions, des infirmités, alors que Jésus-Christ a porté tout cela à la croix et qu'il nous a déjà libérés et qu'il nous a déjà affranchis? Nous prenons conscience de notre position en Christ, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des esprits méchants, au-dessus de tout esprit d'infirmité, au-dessus de tous les serpents qui voulaient nous mordre, parce que nous sommes assis en Christ Jésus à la droite de Dieu le Père et que son sang parle pour nous. Rebabo Sataya, Rebaba Shakata, Ropakataya Manelelosia, Rosikapata, Robebaba Shia, Ola Baba, Mikataya, Rebaba. Les ennemis de nos âmes ne pourront pas nous atteindre. Ils nous chercheront en février 2022. Ils ne nous trouveront plus. Leurs radars sont brouillés par le sang de Christ Jésus. Là où ils faisaient des incantations, là où ils appelaient nos noms mystiquement pour envoyer des sorts, des sortilèges, des maladies, des toutes sortes de choses mauvaises et méchantes. Au nom de Jésus, à cause du sang de l'agneau bien-aimé, plaidons. Le sang ce matin, plaidons le sang de Jésus pour le mois de février 2022. Ropakata Sataya, Rebabasha, nous proclamons la victoire par le sang de Jésus sur toutes ces maladies, sur ces infirmités, sur ces dépendances, sur ces oppressions, sur toute la puissance de l'esclavage, la tyrannie de la puissance des ténèbres. C'est terminé, nous sommes sortis au nom de Jésus, à cause de son sang, nous sortons des fosses, nous sortons des prisons, là où nous étions maintenus, là où ils avaient maintenu nos destinées, là où ils avaient maintenu, oh Shabbat, ils avaient envoyé la maladie pour bloquer notre destinée, mais nous sortons à cause du sang de Jésus-Christ. Ils avaient envoyé une infirmité, ils avaient envoyé une addiction, ils avaient envoyé une dépendance pour nous faire apporter notre destinée. Mais nous plaidons le sang, Rebabo Shata, Rekapatosa, Rebababa Shakatayama, Rebabosia, Rosite Tekata, Marebabosa. Nous plaidons le sang, Rebababa Shia, Rebabababa Raba, Rosia Rababa, Shekataya, Rebabosia. Bien-aimés, continuons à plaider le sang de Jésus-Christ ce matin. Nous allons prier au mois de février 2022 à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous prions que l'Église, Impact Centre Chrétien, ne subisse aucune forme d'humiliation, aucune forme de honte, aucune forme de déshonneur, mais au contraire, qu'elle expérimente la faveur, la distinction, la grâce, la gloire de Dieu visible au milieu des ténèbres. Est-ce que nous pouvons ensemble élever la voix, bien-aimés? Nous condamnons l'humiliation par le sang de Christ Jésus. Il a déjà porté notre honte. Il a déjà payé le prix, bien-aimé. Aucune forme d'opprobre. Il ne nous a pas fait la confusion. Au mois de février 2022, quels que soient les plans de l'ennemi, nous déclarons, nous décrétons, à cause du sang de lait, à cause du sang de Christ Jésus, que nous ne serons pas confus. Nous parlons, bien-aimé, pour toute la famille Impact Centre Chrétien, que nous soyons en Europe, que nous soyons, bien-aimé, en France, que nous soyons en Belgique, que nous soyons en Allemagne, que nous soyons en Afrique, que nous soyons, bien-aimés, dans les Caraïbes, que nous soyons en Amérique, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, Impact Centre Chrétien n'essuiera aucune forme de honte, aucun revers, aucune humiliation par le sang de Jésus-Christ, à cause du sang de Christ Jésus, parce qu'il dit dans sa parole, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Bien-aimés, rendons grâce pour l'Esprit de gloire qui repose sur nous en février
2022. Il éloigne de nous la confusion. Il éloigne de nous la honte. Il éloigne de nous la disgrâce. Il éloigne de nous les déconvenus. Il éloigne de nous les revers. Et il repose sa gloire sur nous au nom de Jésus. Ade babosa, repaka pata siyana, ropake pakata, rebababa shikataya, ropaka. Bien-aimé, plaide, 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 plaide. Cela sera à cause du sang de Jésus-Christ. Oh, que nous plaidons. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons élever nos voix ensemble. Ripakotasa, rebababa shikataya, brainerosa. Aucune honte, aucune confusion. Ceux qui voulaient notre honte, ils seront eux-mêmes couverts de honte, alors que nous serons recouverts de gloire et de magnificence, parce que sa gloire apparaît au milieu des ténèbres. Voilà ce qu'il a déclaré prophétiquement par la bouche de son serviteur. Et nous nous attendons à ce qu'il confirme encore cette parole en février 2022. Il ne peut pas en être autrement à cause du sang de Jésus, non pas à cause de nous. Nous ne méritons rien, nous ne sommes rien, nous le reconnaissons, mais nous plaidons le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut plaider le sang de Jésus, surtout le mois de février 2022? Nous plaidons le sang. Chine la barosia bara bria nele baria bara baba reka paketa ya bria nele lo sataya. Nous plaidons le sang de Jésus Christ, surtout toute forme de confusion. Aspects, dans tous les domaines, aucune de nos églises locales ne subira la moindre honte, la moindre confusion, jamais éloignée de nous par le sang de Christ Jésus. Il a déjà porté notre honte, il a déjà porté notre disgrâce, il a déjà porté. Le sang de Jésus. Christ Jésus, et nous prions en février 2022 à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Chaque membre de la famille Impact Centre Chrétien, à cause du sang de Jésus, expérimente la restauration et la guérison divine de toutes les blessures intérieures, des traumatismes du passé. C'est le sang, bien-aimé, qui a coulé lorsqu'il a été versé sur le côté. Dans le livre de Jean 19 au verset 34, il est écrit: mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Bien-aimé, ce texte est conjugué au passé, ça veut dire que c'est déjà accompli, c'est déjà établi, c'est déjà établi. Oh, dans la sphère spirituelle, maintenant nous nous reposons, bien-aimé, sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur le fait qu'il a été percé sur son côté et que le sang a coulé de son fort intérieur. Maintenant, nous plaidons le sang de Christ Jésus sur la famille Impact Centre Chrétien, sur tous les membres, afin que la guérison, afin que la restauration de toutes les douleurs, oh la baba basia la ba, de toutes les blessures internes, recapata sata, ribaboshia da la brea, de tous les mauvais traitements qui avaient suscité des douleurs et des blessures internes à cause du sang de Jésus Christ, rebababashikata ya brea nelerosa, et la baba oshia. Élevons, bien-aimés, nos voix, le sang de Jésus sur février 2022. Ropakataya, Brezika Patosata. Ah, nous plaidons le sang. Nous plaidons le sang pour chaque membre d'Impact Centre Chrétien. Désormais, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Là où il y avait des blessures, là où il y avait des amertumes, là où il y avait des colères, là où il y avait des aigreurs, au nom de Christ Jésus,
Nous demandons par le sang de Jésus-Christ la restauration, la guérison interne, la douceur, la paix, la joie par le sang de Jésus-Christ. Envahis nos cœurs, Seigneur, remplis nos cœurs, Seigneur, de ta joie. Remplis nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, de ton allégresse. Transporte-nous, Seigneur, au-delà de toute affliction, au-delà de toute déception, au-delà de toute frustration, au-delà, Seigneur, notre Dieu, les papas, au-delà de toute offense, nous plaidons le sang de Jésus-Christ. En février 2022, nous sommes libérés des charges, nous sommes libérés des poisons internes, nous sommes libérés, Ripakata Satayabara, afin de célébrer librement le Seigneur notre Dieu, de lui rendre d'excellentes actions de grâce, parce que c'est lui qui est notre secours, parce que c'est lui qui est notre délivrance, parce que c'est lui qui est notre espérance. Nous plaidons. Bien-aimé, vas-y, plaide. Plaidons le sang de ce matin, bien-aimé, plaidons le sang. L'ennemi a échoué lamentablement. Il avait voulu envoyer l'offense. Il avait envoyé toute forme de machination. Il a envoyé toute forme, bien-aimé, de piège pour nous retenir dans la captivité, de l'aigreur, la captivité de l'amertume. Mais nous plaidons le sang. Et cela sera le partage de chaque membre d'un pacte de centre chrétien à cause du sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, pour le sang. Oh, notre justice est dans le sang de Jésus. Oh, bien-aimé, nous avons tout pleinement lui. Dieu de toute justice, Dieu de toute délivrance, c'est toi que nous cherchons. C'est le sang de Jésus que nous invoquons ce matin. Jésus qui a porté nos souffrances, qui a porté nos maladies, qui a porté nos blessures internes pour nous affranchir, pour nous libérer. En le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Bien-aimés, nous allons continuer à plaider ce matin et nous appelons par le sang de Jésus la justice divine sur ce mois de février 2022. La justice divine contre les méchants qui prospéraient grâce à leur méchanceté et qui méprisaient Dieu et ne pensaient pas ils ne pensaient pas que Dieu pouvait répondre. Ils n'avaient pas imaginé que Dieu pouvait répondre aux cris de son peuple. Nous sommes rassemblés, bien-aimés, pour crier au Seigneur. Assez, c'est assez. Et nous allons appeler la justice selon qu'il est écrit dans le psaume 94, les versets 1 à 2. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paraît. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons élever la voix? Nous demandons. À cause du sang qui a déjà coulé et qui a déjà établi notre justice, nous demandons maintenant au Dieu des vengeances, apparaît en février 2022. Zibabo Satayabara, apparaît, montre-toi, signale ta force, signale ta puissance, signale ton autorité, apparaît sur le mois de février 2022, viens juger les méchants. Viens rétablir toute justice. Ils prospéraient sur les territoires où tu nous as établis. Avec leur méchanceté, ils prospéraient. Mais assez, c'est assez. Nous t'appelons maintenant le Dieu de toute justice. Apparaît soudainement, apparaît brusquement. Nous en appelons Dieu de tout à coup. À cause du sang de Christ Jésus, le Dieu vivant. Apparaît par le feu. Prononce tes sentences et tes jugements et que le feu s'abatte, sur les méchants. Au nom de Christ Jésus, viens par le feu, viens par le vent, un vent impétueux, Seigneur notre Dieu, souffle sur le mois de février 2022. Nous sommes en train de te le recommander et
nous sommes en train d'appeler la justice divine sur février. 2022, Seigneur, apparaît. Le papa Sakapata Satayabare, Ripatata, Seigneur, viens, apparaît. Apparaît sur ce mois, Seigneur, nous t'implorons, nous te supplions. Tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons nos voix et nous demandons, à cause du sang de Christ Jésus, apparaît, Seigneur notre Dieu, viens leur rappeler leur défaite cuisante à la croix de Golgotha. Ah, Seigneur, tu as établi toute justice à Golgotha. Il a la babocha. Nous nous appuyons sur l'œuvre de la croix pour demander au Seigneur, apparaît, opaka. Lève-toi, juge de la terre. Oh, Rebaba Shikataya, Rebaba Basata, Rebabosia, Rebakataya Baria Baba, Rababoshia Baba. Viens rendre aux méchants, viens rendre aux vindicatifs, viens rendre à ceux qui étaient remplis d'orgueil. Ils n'avaient jamais pensé que le Dieu de gloire pouvait se lever. Oh, le soleil de justice, tout en appelant à toi, apparaît sous ce mois de terre. Les méchants ne triompheront pas toujours. Nous te demandons d'apparaître, Seigneur. Oh, Shitata Sakapataya. Rebababa. Ils prospéraient. Ils étaient remplis d'orgueil. Ils étaient fiers. Ils faisaient les fanfarons. Ils n'avaient pas pensé. Ils ont dit, mais où est donc votre Dieu? Nous sommes en train de préparer une rampe de lancement et d'atterrissage de la gloire de Dieu sur février 2022. Le Seigneur notre Dieu, Dieu de toute justice, lève-toi. Rebabosaka, Rebabatikata, Rebababashia, Rebabasea Bariaba, apparaît. Et là, la babosha, Rebakotasa. Bien-aimé, demande au Seigneur d'apparaître. Qu'il apparaisse sur la France, qu'il apparaisse sur les nations, sur la France, sur la Belgique, qu'il apparaisse en Allemagne, qu'il apparaisse, bien-aimé, au Canada, qu'il apparaisse aux États-Unis, qu'il apparaisse en Afrique, dans toutes les nations en Afrique, qu'il apparaisse au Congo, qu'il apparaisse en RDC, qu'il apparaisse au Bénin, qu'il apparaisse au Togo, qu'il apparaisse dans les Caraïbes, qu'il apparaisse à Rababa, en Martinique, en Guadeloupe, qu'il apparaisse sur Haïti, qu'il apparaisse dans le nom de Christ Jésus sur la Guyane. Bien-aimé, Lopata, citons les nations au nom de Jésus et demandons que la justice divine s'accomplisse en février 2022. Quel que soit ce qu'ils sont en train de préparer dans les cercles occultes, nous nous appelons au Dieu de gloire, au Dieu de toute justice, apparaît en février. Seigneur d'apparaître, nous allons appeler la justice divine par le sang de Christ Jésus. Nous appelons la justice divine contre les complots, contre les conspirations, contre les cabales préparées, contre les églises impact sans chrétiens, contre nos pasteurs principaux, ainsi que le corps de Christ dans les différentes nations où le Seigneur nous a établis, de manière à ce que le Seigneur donne gloire à son nom. Recapata, nous demandons que tout ce qu'ils sont en train de préparer, notamment au travers des projets de loi, que tout cela soit annulé dans le nom de Jésus. Rebababashia, Rokatayabara, Somme 94, les versets 20 à 22. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment les desseins iniques, en dépit de la loi, oh bien-aimé, en dépit de la loi, ils veulent.
veulent faire passer les choses. Mais nous en appelons au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui a la parole, et sa parole est la vérité. Sa parole, bien-aimé, est au-dessus de toute loi. Sa parole établit la justice divine. Voilà pourquoi nous allons encore élever la voix dans le nom de Christ Jésus. Bien-aimé, et prions ce matin dans le nom de Christ Jésus. Sur février 2022, nous en appelons à toi, Père, tous leurs complots, leurs conspirations qui visent à discréditer, qui visent à étouffer, qui visent à limiter Impact Centre Chrétien, nos églises, dans les localités où tu nous as établis, sur les nations, Seigneur, où tu nous as établis. Nous en appelons, Seigneur notre Dieu, à ta justice divine. Seigneur, viens confondre les conseils des méchants. Viens confondre, Seigneur, leurs réunions occultes, là où ils se concertent, là où ils fomentent des plans pour nuire, Seigneur, à ton église, pour nuire, Seigneur, au corps de Christ, pour nuire à un pacte saint chrétien. Nous en appelons une fois de plus à ta justice, au nom de Jésus bien-aimé. Élevons nos voix et prions, nous commandons à cause du sang de Jésus la confusion dans leur réunion, la confusion dans leur projet de loi, la confusion dans leur concertation. Est-ce que tu peux lever la voix, bien-aimé? Par le sang de Christ Jésus, il nous a donné le pouvoir de commander et d'être obéis ce matin. Ensemble, nous commandons la confusion. Nous appelons la honte, la disgrâce. Nous appelons la débandade au milieu d'eux, au nom de Christ Jésus. Est-ce que ce sont les méchants qui établiront leur loi sur la terre des vivants que tu as créée, qui est ton marchepied? Nos nations t'appartiennent. Les territoires sur lesquels tu nous as établis, elles t'appartiennent. D'ailleurs, Père, tu as dit que tout lieu que foulera la pointe de nos pieds, tu nous le donnes en héritage. Et Seigneur, nous te présentons ces nations en te demandant, s'il te plaît, fais éclater ta gloire. Établis, Seigneur, ta justice. Envoie ta parole. Oh Dieu, nous demandons, Père, que dans ces gouvernements, que dans ces conseils, que dans ces municipalités, que dans ces réunions régionaux, Père, que tu suscites des terres, des Mardochées, que tu suscites des Joseph au milieu de nous, qui iront établir, Seigneur notre Dieu, ta justice parfaite, ta justice souveraine, pour faire taire les vindicatifs, au nom de Christ Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés. Ropakata Sataya, Rebababashia, Rekapata, Rebababashia, Reka, juge tous les âmes, Seigneur, tous ceux qui fomentaient des plans et qui donnaient des conseils uniques, qui donnaient des conseils méchants à ceux qui sont élevés en autorité. Père, nous demandons leur confusion, nous demandons que la ruine s'abatte sur eux. Seigneur, au nom de Christ Jésus, que le sort qui avait été réservé à Aman s'abatte sur eux, au nom puissant de Christ Jésus. Que les conseils des archipopels auprès des rois soient ruinés, ruinés, bien aimés, ruinés. Élevons la voix, mes baba. Sortons nos épées ce matin encore, oh, pour établir toute justice par nos prières. Et le bon avoir bien aimé, que nos langues soient aiguisées ce matin, pour faire la guerre. Ils se tairont et ta parole sera proclamée au nom de Christ Jésus. Tous les projets de loi dans les nations qui sont contre toi, qui sont contre ta justice, nous les condamnons ce matin au nom de Jésus Christ. Nous commandons la justice, que la gloire de Dieu apparaisse dans les nations. Lorsque nous sommes en train de prier pour enfanter la destinée, ce n'est pas uniquement la destinée de nos vies individuelles, c'est la destinée de nos nations. Alors bien aimés, prions pour nos nations, oh là, baba, pour ces gouvernements, pour ces autorités. Seigneur notre Dieu, le temps est arrivé. Père, opère toi-même les remplacements nécessaires, opère toi-même les échanges nécessaires afin de positionner tes enfants, afin de positionner tes élus et faire sortir, oh Dieu, Seigneur, ceux qui étaient vindicatifs, ceux qui s'opposaient à toi, au nom de Jésus-Christ. Oh,
Likamaso Patea, Debate, Sikataya, Adelosiana, Recata Soria Bare. Parce que tu es le Dieu qui agit. Tu n'as pas, Seigneur, fini. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Les ténèbres ne régneront pas sur la terre à jamais, ô Dieu de gloire. Le temps arrive. Père, comme Daniel s'est tenu devant toi pendant 21 jours, lorsque les temps étaient arrêtés. C'est au travers de la prière. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier. Pour rencontrer notre destinée. Ça veut dire ta gloire. Rendons grâce à Dieu, celui qui est fidèle, celui qui a annoncé la parole prophétique, c'est lui qui la confirme, il confirme la parole de son serviteur. Au nom de Christ Jésus, il est en train de nous conduire pas après pas dans une décennie de domination. Et il est en train, alors que le monde est ébranlé, alors que les gouvernements n'ont plus de solution, alors que des malheurs sont en train de s'abattre sur la terre et sur février 2022, nous appelons la justice divine. Rendons grâce à Dieu parce que c'est sa volonté. Bénissons-le, honorons-le, élevons nos voix, bien-aimés. Il dit dans le livre de 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oh, bien-aimé, il dit qu'il nous écoute. Il nous a écoutés pendant ce créneau de prière. Alors élevons nos voix pour cette assurance qu'il nous donne. Rendons-lui grâce. Bénissons le psalmodion. Honorons le kapatasata, le baboshi anaba. Honorons le Dieu de toute justice. Honorons le Dieu qui est fidèle à sa parole. Celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Y a-t-il quelqu'un pour donner gloire à Dieu, notre Père? Il a annoncé sa volonté par la bouche de son serviteur. Il veille maintenant sur sa parole pour l'exécuter. Rababacha, février 2022. Élève tes linteaux et laisse rentrer le roi de gloire. Mais qui est ce roi de gloire? Le Seigneur Jésus, fort et puissant. Son guerrier, celui qui est digne d'honneur, celui qui est digne de notre reconnaissance, celui qui est digne de toute action de grâce, celui qui est digne d'être honoré. Y a-t-il quelqu'un ce matin pour honorer Jésus? Y a-t-il quelqu'un pour pousser des cris de joie? Y a-t-il quelqu'un pour pousser? Notre victoire est établie par son sang. Jésus soit honoré. Jésus soit glorifié. Jésus soit couronné. Jésus soit souverainement élevé au-dessus de ce mois de février. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Nous t'honorons. Nous te bénissons. Nous avons prié tous ensemble dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes secourus, par lequel nous sommes transportés de gloire en gloire, comme par le
le Seigneur, l'Esprit du Dieu vivant. Honneur, louange et action de grâce à Jésus-Christ. Rekapata sataya balea, rebabosia, rekatasa, lebosia, mapake kapatosi kataya mandere. Amen. 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 Rekasata, acclamons, 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 bien-aimés, acclamons. Jésus-Christ, il a la babosia. Rekasata, rekatasa. Amen. Au nom de Jésus. Mazora mare kozeta yaha, libro kozela mare kando zepreha maha, lika choza dole kovaro se yaha, lera mamozea, libaro zepre yaha. Père, nous te sommes reconnaissants ce matin de ce que nous sommes comptés parmi les vivants. Oui, tu as renouvelé tes bontés, tes grâces et ta miséricorde envers nous ce matin. Ce matin, mon frère, ma sœur peut respirer. Nous pouvons reconnaître que nous sommes des vivants. Alors c'est le cœur rempli de gratitude, le cœur rempli d'action de grâce que nous venons à toi. Nous nous approchons de toi en cette cinquième journée de ces 21 jours de jeûne, de prière et de supplication, où tu as attiré ton peuple, où tu as rassemblé ton peuple de par-delà la francophonie et par-delà le monde, pour nous tous qui sommes connectés à cette plateforme, à cette famille que tu as voulu bâtir. Mali Barozoko, les Kamarosea, et la cause des Barosea, c'est rempli d'action de grâce et rempli de reconnaissance que nous nous approchons de toi ce matin, car nous sommes des vivants, nous te sommes reconnaissants. Et tu dis dans ta parole en Ésaïe 38, verset 19, le vivant, c'est celui qui te loue. Ah Seigneur, ce matin, mon frère, ma sœur, ensemble, réunis en unité, en accord, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Toi qui nous as donné la vie, c'est toi que nous voulons célébrer. Parce que tu as renouvelé le souffle de vie. Malibaroso malibaha, libare kabarosea, le katosea, ramaboso kobarea basa, libaroso kamarea maha. En ce début de journée, malike barosea, nous voulons célébrer, louer celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Alors nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons venir devant toi. Ah, de la bonne manière, tu as dit dans ta parole, entrez dans les portes avec reconnaissance et dans mes parvis avec des louanges. Alors tous ensemble, nous voulons ce matin faire monter vers toi nos actions de grâce. Malo roko baba. Ah mon frère, ma soeur, élevant la voix et faisant monter nos actions de grâce à celui qui a renouvelé le souffle de vie. Sa fidélité a parlé encore. Il a veillé sur notre sommeil. Il a veillé sur notre vie. Il a veillé sur nos familles. Il a veillé sur nos maisons. Nous dormions paisiblement et aucun d'entre nous n'a veillé sur sa nuit. Nous nous sommes endormis avec cette assurance. Le psaume 3, verset 6 dit, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Oui, tu nous as soutenus, tu t'es manifesté dans ta fidélité. Alors nous voulons ensemble faire monter des actions de grâce. Mon frère, est-ce que tu es en train de faire monter des actions de grâce? Ma sœur, es-tu en train de faire monter
Ah, des actions de grâce vers le trône de la grâce. Élevons la voix, ne restons pas silencieux. En accord, faisons monter vers notre Père et notre Roi, notre Dieu, des actions de grâce. Malere basso cora mamare abasso libare cadele baroso kira babarosea lebrosoma. Le fait que nous soyons encore des vivants aujourd'hui, ça veut dire que Dieu n'en a pas encore fini avec notre histoire. Il n'a pas encore fini d'écrire l'histoire glorieuse qu'il voulait manifester au travers de ta vie et de ma vie. Les plans parfaits qu'il avait conçus en lui-même, les actes, les œuvres qu'il avait conçues en lui-même avant la fondation du monde, afin que nous puissions les pratiquer. Il ne les a pas encore accomplis. Alors peut-être quelqu'un se disait, s'il en est fini pour moi. Ah, si tu reconnais que tu as le souffle de vie, est-ce que tu peux faire monter des actions de grâce? Mon frère, ma soeur, fais-en monter des actions de grâce. Pour celui qui n'a pas fini d'écrire notre histoire, il a dit que notre histoire sera écrite gloire et que nous marcherons dans cette décennie dans la domination des enfants de Dieu. Mani Baboso, Libare Amazoa, Likabaroso, Bare Amazo, Ekatoza Baro, Libaroso Kamare. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous voulons te dire tu es, le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire? Tu es l'unique. Y a-t-il quelqu'un qui veut le célébrer? Mare Kamalos Yamaha. Tu es le Créateur. À part toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Ce matin, nous À part toi, Malébaroso, tu es l'unique. Personne n'est comme toi. À part toi. Seigneur, nous voulons te dire, tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu, aucun autre que toi ne peut se prétendre être Dieu, à d'éternité en éternité, un seul est notre Dieu, à part toi, à l'écho, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique. À part, Malero, Koso, Komare, Basso, Tabarosea. Encore une fois, disons. Tu es l'unique. Commencement, tu es la fin de toutes choses. À part toi, Alpha, Alpha.
le déclarer ce matin. Alpha, Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À nous le reconnaissons très haut. Alpha, tu es l'Alpha, Omega, tu es l'Oméga. À part toi, Jésus, à part toi, il n'y en a point d'autre. Tu es le commencement de toutes choses. Tu es le commencement de cette journée. Alors nous voulons te célébrer. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre que toi. Nous disons Alpha. Ah, en accord, tous ensemble, nous disons. Il n'y a point d'autre Alpha. Nous disons Omega. À part toi, il n'y en a point d'autre que toi. Ah, aucun d'autre que toi ne règne dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Il n'y en a aucun autre que toi. À part toi, allez carosa, à la cause que barosi que bara, un seul est digne de notre célébration, un seul est digne d'être élevé, un seul est digne de louange, un seul est digne d'honneur, un seul est digne d'être glorifié, un seul est digne d'être célébré. Omega, à part toi. Il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre qui soit digne d'être célébré. Alpha, Alpha, Omega, les Kabarozo Komale, Lore Barosia, il n'y en a aucun autre que toi qui soit digne d'être établi, qui soit digne d'être élevé. Malé Kabarozi Yamaha, Libro Soko Manea, Libro Kabarose Kebarosea, Libra Kaze Kete Manosea. Omega, aucun autre que toi n'est Dieu, aucun autre que toi n'est digne de louange et de gloire, aucun autre que toi n'est digne d'élevation, aucun autre que toi n'est digne d'être. De majesté, aucun autre que toi ne détient le pouvoir, la sagesse, la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Omega, Malé Kabarosi Abaha, Libaroso Komaha, les Bouddhas, les Mohamed, les Krishna, peu importe les noms qu'on leur donne, ne sont point des dieux par nature. Car aucun autre que toi ne peut prétendre être Dieu. Tu n'as été ni créé. Ah, les sakorobos et mebara. Et toutes choses ont été faites par toi. Toutes choses ont été créées en toi. Toutes choses ont été faites pour toi. Ah, c'est pourquoi nous le déclarons. Alpha, Alpha. Tu es l'Oméga, la cause Amarose Mara, les Rokoso Marabaha, aucun autre que toi, aucun autre n'est omniprésent, aucun autre n'est omnipotent, aucun autre n'est omniscient, aucun ne détient la sagesse comme toi, aucun ne détient l'intelligence comme toi. Aucun ne détient la connaissance comme toi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Malé Rababo Soko Malé Babro Soha. Ah, bien-aimé, là où nous sommes, élevons la voix et disons-lui, aucun autre que toi n'est digne de louange, de gloire, d'honneur, d'appréciation, de célébration. Aucun autre n'est Dieu. Il n'y a aucun autre pour lequel il est dit
qu'il règne d'éternité en éternité, qu'il règne dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Aucun autre que lui n'a créé toutes choses. Il n'y a rien de ce qui a été créé qui n'ait été créé par lui. Tous les autres dieux sont des dieux qui sont évoqués par les hommes, mais qui n'ont rien de la nature divine. Ils ne sont point des dieux par nature, car ils n'ont point créé les choses. Ils viennent simplement se servir de ce qui existe déjà. Un seul est digne d'être appelé Dieu. Et ce Dieu est notre Père. Alors élevons la voix pour le célébrer. Mare kabarozoko mare abaha. Libaroso mare babroso. À part. Malekora mama cerebosa. À part. Toi. Malekabarosea. À part. Malekere mamroso dolobreha. Il n'y a personne d'autre qui soit capable du début de l'année jusqu'à ce jour de faire en sorte que ces paroles libérées à notre sujet ne soient rendues manifestes. Aucun autre n'est digne d'appeler fidèle et véritable si ce n'est toi. Ah oui, tu nous as gardés du premier jour jusqu'à ce jour. Personne n'est capable de le faire si ce n'est celui que nous appelons le véritable Dieu. À part, les cabaros et les bassos dans la baha. À part toi, Père, il n'y a point d'autre qui soit capable de nous maintenir comme tu l'as fait, de nous garder de toute vicissitude de la vie, de toute circonstance de la vie. Aucun autre. Les hommes invoquaient tout type de Dieu, mais ils peuvent reconnaître aujourd'hui que leur Dieu a des limites. Un seul est véritable, un seul est tout-puissant, un seul est digne d'être appelé Dieu. C'est toi le véritable. C'est toi et les Bosokamaha et personne d'autre. Malebarosamalebosea. Alors ce soir, mon frère et moi, nous voulons te célébrer. Alors ce matin plutôt, nous voulons dire, mon frère et moi, nous voulons te célébrer. Ma sœur et moi, nous voulons élever le seul véritable Dieu, le seul qui est unique, le seul qui est vrai, le seul qui est digne de gloire, le seul qui est digne d'honneur, le seul qui est digne d'élévation. Aucun autre n'est capable de faire ce que tu as fait. Tu as déclaré, Seigneur, dans ta parole, qu'aucun malheur, aucune flèche ne nous atteindrait. Les flèches qui volent en plein jour, ni non plus, Seigneur, les maladies, ni les désastres. Aucune de ces choses n'est venue à bout de ton peuple, parce que tu as dit qu'aucun fléau ne nous atteindra, qu'aucune flèche qui vole en plein jour ne nous atteindra. De nos cieux, seulement nous regarderons et nous ferons, Seigneur, la rétribution des méchants. Et c'est ce que tu as fait. 1000 sont tombés à notre droite, 10 000 à notre gauche. Mais pour nous, Seigneur, nous avons continué à marcher du 1er janvier jusqu'à ce jour. Maletabarosia. Ah, une seule chose a pu le rendre possible. C'est le Dieu véritable que nous sommes en train de célébrer. Le Dieu réel, il n'y a point d'autre Dieu. Maletabarosia. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu
tu es le bâtisseur. Ah, tu es en train de bâtir un peuple de, d'hommes et de femmes affermis, d'hommes et de femmes inébranlables. Ah, les Kabarossia, au travers de ces épreuves, au travers de ces circonstances, au travers de la situation économique, au travers de la crise sociale, la crise sanitaire, c'est en réalité un peuple que tu es en train de bâtir, des hommes et des femmes inébranlables. Malébarosoko, l'imamarosoko, les mamaha, les bras de Kebarosia, des hommes et des femmes attachés à toi, qui plus que jamais sont attachés à ton amour. Qui a pu le faire? Qui pouvait faire une telle chose? Qui pouvait avoir une telle sagesse? Là où les hommes sont découragés, là où les hommes sont fatigués, là où les hommes sont abattus, pour nous, nous reconnaissons que ce n'est pas le cas. Nous continuons à être attachés à toi. Nous continuons à marcher dans la foi, à être Seigneur. Ah, les Kabarosika, les Brosoko, les Kabarosopéa, les Kamare, à continuer à être attachés à ta volonté, à nous soumettre à ta volonté. Père, nous voulons reconnaître et le dire qu'il n'y a point d'autre que toi. Cela n'est possible que par la puissance de ton esprit. Ah, c'est pourquoi il est écrit à celui qui peut tout par la puissance infiniment bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou croire, par la puissance qui agit en nous, soit louange, honneur et gloire. C'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous le reconnaissons. À part toi, il n'y a point d'autre que toi. Mali Barroso, Mali Barroca, Ika Barrosia, Le Barrosoko, Ika Tamaribaha, Le Brosso Maribaha, Le Marozoko Maribabroseha. Tu es en train de bâtir une église. Tu es en train de bâtir une armée d'hommes et de femmes inébranlables. Malébaro Soko Maria. Tu es en train de bâtir une armée de plus que vainqueurs. Malébarosa. Et nous te sommes reconnaissants. À part toi. Les Barosoko Maleba Soka Baraha. Les Brosko Mandelebaha. Ah, oui, au contraire, nous sommes dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Malé Barroso, c'est-à-dire le véritable Dieu, Malé Kabarosia, à part toi, bien-aimé, élevons la voix et disons-lui, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables de nous tenir encore en cette cinquième journée de jeûne et de prière. Élevons la voix et rendons-lui grâce. Rendons grâce à Dieu. Malé Kabarosia Maria. Disons-lui merci de ce qu'il nous a donné de tenir depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Mais pas seulement depuis le premier jour de cette année. Et malgré les conditions sociales, malgré les conditions économiques, malgré la crise sanitaire, malgré tout ce qui a pu frapper les hommes sur la terre, par-delà le monde, malgré le Covid et tout ce que le Covid a apporté, nous, nous continuons à rester affermis, nous continuons à tenir ferme, nous n'avons pas chuté, nous continuons à marcher, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons te dire merci, toi qui es le bâtisseur de ton église, nous voulons te dire merci, parce que c'est toi qui nous a soutenus, c'est toi qui nous a gardés jusqu'à ce cinquième jour. Nous te sommes reconnaissants, Père. Malako Zamarosia, tu l'as fait par ton esprit, toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Tu as rendu possible cela par ton esprit. Alors est-ce que nous sommes en train d'élever la voix? Les Kamarebere Kosoko Mareabaha. Libaroso Marebaha. Élevons la voix et rendons grâce. Rendons grâce. Depuis le premier jour de cette année, il nous a gardés
Il nous a soutenus, il nous a affermis, il nous a gardés du malin. Makarose kebarosia. Là où les gens ont été assaillis par la peur, par le découragement, par les oppressions, par la dépression, toi et moi, ah mon frère, ma soeur, nous tenons encore debout. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a que toi qui as pu le faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment bien au-delà de ce que nous imaginons. Bien au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous avons demandé, nous le reconnaissons. C'est toi qui l'as fait. Notre capacité est venue de toi. Notre vitalité est venue de toi. Notre force est venue de toi. Ali Barosa. Et si nous sommes encore attachés à toi, si nous t'aimons encore, c'est parce que tu nous as animés de ton amour par ton esprit. Maleka Barosa. Libarabosa, c'est ce que nous révèle Colossiens 1, verset 8. C'est l'Esprit qui nous anime de cet amour que nous avons pour toi, de cet amour que nous avons pour nos frères et nos sœurs. Alors nous voulons te dire notre gratitude et notre reconnaissance. Malibroso Malibasi, Libarabroso Nalabaha, Libaroso Komaha. À part toi, il n'y a point d'autre qui soit digne de louange. Il n'y a point d'autre qui soit digne d'honneur. Il n'y a point d'autre qui soit digne d'élevation. Il n'y a point d'autre qui soit digne d'exaltation. Il n'y a point d'autre qui soit digne de célébration. Il n'y a point d'autre qui soit digne de contemplation. Dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs, un seul est Dieu. Un seul est véritable, un seul est digne de gloire, un seul détient la puissance, détient le pouvoir sur toutes choses. Et c'est toi, notre Dieu et notre Père. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Tu es digne d'honneur, de louange, de gloire, tu es digne de majesté. Tu es seul digne, il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a point d'autre qui soit Dieu si ce n'est toi. Ô Père, nous te célébrons en accord, en unité d'esprit. Nous te célébrons. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans les profondeurs. Et tout ce qui a été créé par toi, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les profondeurs, fléchis les genoux en adoration, car un seul en est digne, un seul est Dieu, c'est toi, notre Père, reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois la magnificence. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. D'éternité en éternité, tu règnes. D'éternité en éternité, tu demeures. À jamais, tu demeures. Tu es l'ancien des jours. Nous te célébrons, nous t'élevons. Nous te sommes reconnaissants, toi notre Dieu et notre Père. Malebo Sokomara. À part toi, Alléluia, alléluia. Nous allons prendre un premier point de prière et nous allons ensemble, toujours dans cette atmosphère de sa présence, élever la voix et rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu car il sera notre bâtisseur au mois de février. Nous allons prier de manière prophétique et nous allons abonder en actions de grâce. Nous allons déjà créditer notre compte d'actions de grâce parce que c'est Dieu qui sera le bâtisseur du mois de février 2022. Le psaume 127, verset 2 dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » En fait, ce passage dit que, il ne dit pas que
ça ne sert à rien de bâtir, que ça ne sert à rien de veiller sur la ville, de veiller sur ce mois de février. Ça ne sert pas, c'est pas que ça ne sert à rien, mais il dit si ce n'est l'Éternel qui le fait, si ce n'est l'Éternel qui bâtit ce qui doit être bâti en février, si ce n'est l'Éternel qui veille sur ce mois de février, cela ne nous servira à rien. Et parce que toi et moi en sommes remplis de la sagesse de Dieu et que nous avons compris ce point de prière, alors nous allons élever la voix ensemble et demander à Dieu, notre Père, de bâtir ce mois, lui qu'il soit le bâtisseur du mois de février 2022. Mon frère, ma sœur, si tu as compris ce point de prière, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce qu'ensemble, en accord, nous pouvons élever la voix pour rendre grâce à Dieu notre Père, afin, parce que nous reconnaissons qu'il sera le bâtisseur du mois de février 2022. Père, nous te sommes reconnaissants. Père, nous savons que toute capacité vient de toi, toute grâce excellente vient de toi. Père, la grâce, capacité de pouvoir veiller, bâtir des choses sur le mois de février, elle nous vient de toi. Et nous te sommes reconnaissants de ce que tu seras le bâtisseur du mois de février 2022. Aucun autre ne sera bâtisseur de ce mois si ce n'est toi. Non, nous ne ferons pas par notre capacité, par notre intelligence, par la sagesse humaine. Non, nous ferons, Seigneur, par la grâce que tu déverseras sur ton peuple, sur ton église. Toi qui bâtis ton église, toi qui bâtis chaque vie, chaque édifice. Malika Rosoko, Lebarosi Kababaha. Bien-aimé, nous élevons la voix ensemble et nous créditons notre compte d'action de grâce. Nous l'avons compris que lorsque nous abondons en action de grâce, le Père fait abonder encore des grâces sur nos vies. C'est pourquoi nous rendons grâce pour le bâtisseur du mois de février. Male kabarose amaha, libro kosomanele baha, libre kemaroso kabare amaha, libre ozore mabose kebaraha, limaroso komale barose baha, le baroso komale babroso kaya, malibrose telemaroso kobayaha. Nous te rendons grâce au Père, Male Barosa, Likabaroso Komarebo Sopriaha. Nous te rendons grâce, Père, pour la manière dont tu vas conduire les choses, bâtir les choses au mois de février, la manière dont tu vas diriger les choses pour toutes nos vies, nos activités. Nous te rendons grâce, Père, de ce que ce sera toi qui sera le bâtisseur. Pour nos entreprises, pour, Seigneur, les activités de ton Église, pour l'expansion de ton Église, c'est toi qui seras le bâtisseur. Maléke Rababroso, nous te sommes reconnaissants. Mais Rababrosi Kamarabaha, Libroso Komarebaroso Marebaha, nous te sommes reconnaissants. Lebra Kabaroso Kabaha, Lebroso Malekatoze Barabaha. Père, nous ne voulons pas dire demain nous ferons ci, nous ferons cela. Non, nous avons compris avec la sagesse que c'est ce que toi tu permettras, c'est ce que toi tu rendras possible qui pourra être fait. L'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais c'est ceux de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors nous te rendons grâce de ce que, en ce mois de février 2022, c'est toi qui seras le bâtisseur. Bali Kabarosia, béni sois-tu Père. Nous te rendons d'abondantes actions de grâce dans le nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi rendu grâce et ensemble nous disons très fort Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Alors nous allons élever la voix encore et
toujours dans cette atmosphère, nous allons recommander à Dieu le mois de février 2022. Il est écrit dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, versets 5 à 6, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. » Bien-aimés, si nous comprenons ce passage, nous comprenons que celui qui va nous permettre de faire ce que nous devons faire dans la bonne saison, celui qui d'ailleurs a conçu en lui-même les œuvres que nous devons pratiquer avant même la fondation du monde, c'est Dieu notre Père. Et nous comprenons que nous ne voulons pas faire selon la sagesse et l'intelligence humaine. Tout ce que nous ferons au mois de février, nous voulons le faire selon la sagesse de Dieu. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Alors bien-aimés, si nous avons compris ce point de prière, élevons la voix ensemble et recommandons le mois de février, recommandons les activités, recommandons nos familles, recommandons toutes choses à sa grâce. La broko mazekeba la barosea libaroso komaha. En accord, élevant ensemble la voix et recommandant le mois de février à sa grâce. Mali barosoko rekeba barosoko maha. Si nous voulons réussir dans tout ce que nous aurons à faire au mois de février, il nous faut recommander toutes choses à sa grâce. Ce verset dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire, donne-lui la place qui est la sienne, celle de Dieu et de Seigneur dans toutes choses. Alors nous ne voulons pas faire par nous-mêmes, nous ne voulons pas dire par nous-mêmes, nous ne voulons pas agir par nous-mêmes, car tu as dit dans ta parole, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors Père, nous te recommandons toutes choses à ta grâce. Ma libere que maroso kabaha, libraroso komerebaha. Père, nous te recommandons les programmes de l'Église. Nous te recommandons les activités de l'Église. À ta grâce, nous te recommandons nos entreprises. Nous te recommandons nos familles. Nous te recommandons toutes choses à ta grâce. Les barosso comareha. Nous ne voulons pas faire selon notre intelligence. Nous ne voulons pas faire selon notre sagesse. Ma les barossiaha. Les brocomameha, nous reconnaissons que tu es l'architecte de nos vies. Alors nous voulons que ce soit toi qui fasse toutes choses selon ta sagesse. Père, en ce mois, que ce soit ce qui n'a point été vu, ce qui n'a point été entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, qui soit manifesté en nous et au travers de nous en ce mois de février 2022. Maléke Baro. Les Bakato Zoko Marebaha. Libro Soko Mare Abasso. Malé Baro Soko Mare. Père, nous t'avons ainsi recommandé le mois de février dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors nous allons prendre un autre point de prière et nous allons prier afin qu'au mois de février, que chaque âme d'Impact Centre Chrétien soit trouvée attachée à Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 23, il est dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Bien-aimés, notre Église est en train de grandir de jour en jour. Nous grandissons en taille. Plusieurs de nos frères et de nos sœurs nous ont rejoints et nous-mêmes aussi. Et bien-aimés, nous avons compris que ce n'est pas un acquis de continuer à rester attaché au Seigneur. Alors, comme nous l'avons compris dans ce point de prière, nous allons ensemble élever la voix afin que Dieu
répande sur nous la grâce, la capacité de pouvoir continuer à lui rester attaché. Élevant ensemble la voix, Mako Rababoso, Libareke Mazotea, Rakatozoko Marabasea, Libro Soko Marea. Élevant la voix ensemble, Père, nous te prions dans le nom de Jésus, toi qui mets en nous et le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Père, nous te prions pour que tu répandes sur tous les enfants de la famille à Pacte Centre Chrétien la grâce de rester attaché à toi, la grâce de continuer à être attaché à toi dans une foi qui n'est pas ébranlée. L'amour pour toi, Père, nous te prions, Mali Barossa, ensemble, mon frère, ma sœur et moi-même, nous voulons élever la voix et te prier, Père, afin que tu répandes sur ton Église, un pacte centre chrétien, la grâce de rester attaché à toi. Père, nous le reconnaissons au milieu des vicissitudes de cette vie, au milieu des circonstances, au milieu des tempêtes, au milieu des vents qui se lèvent, les courants contraires. Ah, ce n'est pas un acquis de rester attaché dans la foi. Il y a tellement de choses dans le monde, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie qui attire aujourd'hui. Il y a tellement de raccourcis qui sont tendus par le monde, les ténèbres. Tu l'as dit toi-même, large est la porte qui mène aux ténèbres et étroite est celle qui emmène au royaume de Dieu. Alors nous te prions, Père, dans ce mois de février, que mon frère, ma sœur et moi-même, nous soyons trouvés attachés à toi, affermis en toi, fortifiés dans la foi. Ma loco bare a katosea, liroko ramaboso kobarea. Est-ce qu'il y a des Epaphras qui sont en train d'élever la voix et qui sont en train de combattre dans la prière? Ma leboso komare, afin que tous ensemble, enfants de la famille Impact Centre Chrétien, nous soyons trouvés parfaits et pleinement persuadés, et que nous continuions à persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Continuons à être attachés à la foi, continuons à demeurer dans l'espérance qui est celle qui nous a été annoncée par l'évangile de vérité. Maroko Malebaha, que nous continuions à marcher dans l'amour, l'amour du Père, mais aussi l'amour de nos frères et de nos sœurs, car il a été écrit de nous que si nous nous aimons les uns les autres, c'est ainsi qu'on reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Alors Père, accorde-nous cette capacité, accorde-nous ta grâce, afin que nous soyons trouvés capables de toujours continuer à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres. En ce mois de février, Père, il y a des Epaphras qui sont en train d'élever la voix ensemble, en unité d'esprit, en accord. Est-ce qu'on peut continuer à élever la voix? Malakaka Zeke Maroso, Hidrokoto Zekabaya, Rekoso Zebarosa, Rakeze Marosa, Libaroso Komaria Bassa, Rekabaroze Kabaha, Libaroso Komareha. Et toujours dans cette atmosphère, prions qu'au mois de février, chaque âme expérimente à Impact Centre Chrétien la dimension de zone de refuge. Ah, nous entendons sans cesse le Père de la maison, notre Père dans la foi, Pasteur Yvan, dire que l'Église Impact Centre Chrétien est un lieu de non-droit pour les œuvres des ténèbres, une arche de paix. Alors élevant la voix et priant pour que ce soit l'expérience de tout enfant de la famille Impact Centre Chrétien, de quiconque
est attaché à cette famille, qu'il soit dans une zone de refuge, de sorte qu'il est écrit en 2 Samuel 7, verset 10, « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, et qu'il ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison, que ce soit l'expérience de quiconque est attaché à cette famille, quiconque a choisi de faire d'un pacte centre chrétien sa famille, sa demeure, que cela soit son expérience, que tous les esprits qui opprimaient nos frères et nos sœurs, que tous les esprits qui venaient bloquer leur destinée, empêcher la manifestation de leur destinée, les esprits de blocage, les esprits de limitation, les esprits qui venaient pour s'opposer à l'Okobar et à Massa, au déploiement des frères et des sœurs, que ces esprits soient renversés, que ces esprits soient détruits, que ces voix qui s'élevaient dans les têtes pour décourager, pour éloigner, pour détourner, que ces voix d'oppression se taisent définitivement et que chaque homme, chaque femme attaché à un pacte centre chrétien expérimente la dimension du refuge. Les barosoko marababrose kebaha. Quiconque était opprimé, quiconque était oppressé, quiconque était tourmenté, malé kabarosiaha, qu'il trouve la paix en étant attaché à cette famille. C'est ce que nous te demandons, Père. Que ce soit l'expérience de quiconque viendra dans ta maison. Ah Père, que tu lui bâtisses une maison, que tu lui donnes une maison, une demeure, un havre de paix. Que cette personne, que ce frère, cette sœur trouve le repos en venant, Seigneur, à un pacte centre chrétien. Libaro soko marebaha. Libro soko marebaha. Là où l'amertume, là où la rancœur, le manque de pardon, continuez à venir, à arracher les âmes. Père, que tous soient définitivement libérés de ces voies, Malekorobo Sekemaha, de ces forteresses, Malikabarosia. Là où la pudicité, là où l'impureté, là où la fornication tenait encore les gens, Malé Kabarosia, à cause de la demeure que tu vas leur créer en un pacte centre chrétien, Père, que chacune de ces âmes soit définitivement délivrée de ces étaux, là où la maladie tenait encore, affligeait les corps, affligeait les âmes, Mali Barossa, la cause Abaha, par la puissance de ton esprit et la guérison que tu vas manifester dans les corps, que chacun trouve le repos, que chacun trouve la guérison, Mali Barossa, Komarabaha, que cela soit l'expérience de ton peuple, que cela soit l'expérience, Malé Grosso Komara, de tes enfants, Malé Karosia, Libre Kamarosia, Malé Rebosso, Malé Babrosa, Libara Kozo Komale Barosso, Breabasa, Libarosso, Malé Baha, Librosco, Malé Baha. Nous allons continuer à prier et nous allons prier afin que les plans de l'ennemi qui consistent à enchaîner, à priver de sa liberté l'église de Jésus soit anéanti au mois de février. Tout ce qui vient pour empêcher l'expansion, pour empêcher les activités de l'église, pour empêcher l'essor de son église, que ses œuvres soient définitivement anéanties au mois de février 2022. Dans Actes 12, versets 6 à 7, il est écrit « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats.
et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté, en le frappant au côté et en disant « Lève-toi !» Promptement, les chaînes tombèrent et ses mains. Et il fut libre et il put continuer son œuvre. Alors si tu l'as compris au travers de ce passage, il faut que nous prions afin que là où il y avait encore des liens qui attachaient l'église du Seigneur, que ces liens puissent être anéantis, qu'ils puissent être brisés et que nous soyons rendus libres de continuer à œuvrer, à avancer. Male kabarosia. Alors élevons la voix ensemble. Rika barozoko maria. Libro soko mare ke baroseha. Libaro soko maraba brose kabaha. Libra kateze malo soko baha. Le barosa. Ah Seigneur, nous te prions. Toi qui as dit, et moi je dis, ah, que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous te prions, Seigneur, afin que tout ce qui lie encore ton église et qui empêchait l'expansion de ton église, qui empêchait l'expansion de ton église, qui empêchait ton église de s'étendre, de ton église d'avancer, que toutes ces choses soient anéanties dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui as déclaré que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur ton église. Alors nous te prions, Père, au nom de Jésus, le Christ notre Seigneur, afin que par la puissance de ton esprit, tu anéantisses tous les liens, toutes les chaînes de blocage, les chaînes de limitation, les chaînes des fausses accusations, les chaînes de la médisance, les chaînes des faux témoignages qui contribuent à venir ralentir ton église, à venir limiter l'essor de ton église. Père, nous te prions, Père, par la puissance de ton esprit, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient anéanties. Élevant la voix et parlant à ces chaînes, brisons-les, anéantissons-les par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom qui nous a été donné, le nom le plus puissant, le nom le plus excellent, dans le nom de Jésus le Christ. Toute voix de limitation, toute voix de sabotage, toute voix qui viennent pour empêcher ton église d'avancer. Male kabarozo komare babaha, libro komande kebarabaha. Toute langue qui s'est élevée en justice contre ton église, nous la condamnons au nom puissant de Jésus. Et toutes les armes qui ont été déployées, ces fameuses chaînes, ces fameuses stratégies qui ont été libérées pour limiter l'essor de ton église, l'expansion de ton église, les activités de ton église, nous les détruisons au nom puissant de Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous sommes en train de le faire pour ton église. Nous sommes en train de le faire aussi. Malo kabarosia, les kabarosia, dans toutes les nations où ton église est établie, ton église impacte centre chrétien, les kabarosoko mareha, parce que ces voix qui s'élèvent, ces voix qui parlent contre nous, ont pour but d'emmener un climat de désordre, un climat de suspicion envers l'église afin de nous empêcher d'avancer. Alors c'est à nous d'élever la voix et d'appeler un climat de paix dans les villes, dans les nations où nous avons été établis.
élevant la voix. Mali kabarozo komale brakete mando kokorobosi kabaha ibroko de le barosoko le babroko mande le baha le broko sota la bahé re kabaroso komaha. Seigneur, tu as déclaré que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur ton église. Alors nous venons contre ces voix, nous venons contre tous ceux qui s'opposent à ton église. Tous ceux qui vont auprès des autorités pour accuser ton église, pour emmener des voix de suspicion, des voix de condamnation, qui viennent détourner les voix justes du Seigneur, nous venons contre ces voix dans le nom puissant de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous renversons ces armes qu'ils ont déployées. Nous renversons par la puissance du Saint-Esprit. Libro commande Maboso Kobaha. Libro commande Kebarosi Yabaha. Les baro commande Baha. Bien-aimé, les Kabarosi Yabaha. Makoreba Sota. Parmi ces voix, il y a les voix des conseillers qui sont auprès des autorités et qui les poussent à prendre des décisions qui sont insensées, des décisions qui sont appuyées sur des peurs, sur des inquiétudes, qui sont élevées par des voix qui sont autour des autorités qui sont établies sur les nations dans lesquelles nous sommes. Alors nous devons prier parce que c'est à nous qu'a été donné de prier, comme il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 2, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Alors nous allons toujours dans cette atmosphère élever la voix et prier pour les autorités et les pouvoirs décisionnels afin que leurs choix et décisions soient inspirés et conformes au dessein et au projet de Dieu. Il faut que ce soit l'agenda de Dieu pour cette année 2022, pour ce mois de février qui soit manifesté. Alors mon frère, ma sœur, si tu as compris ce point de prière, est-ce que ensemble, en accord, nous pouvons élever la voix et prier? Mali baroso kobaro, les baboso. Dieu est attentif aux prières des justes que nous sommes. Alors élevons la voix ensemble. Les kabaroso ko, libaraboso kobarea, les kabarosia. C'est à nous de prier pour les rois. C'est à nous de prier pour ceux qui sont élevés en dignité et en autorité. Makalebaroso, pour que nous puissions vivre en paix, pour que nous puissions vaquer à nos activités. La Bible dit que la clé, ce n'est pas de faire des pétitions, ce n'est pas de faire des manifestations. La clé que Dieu nous a donnée, c'est la prière fervente du juste, celle qui produit de l'efficacité. Père, nous te prions pour toute personne élevée en dignité, pour tous les rois, pour les autorités dans nos pays, dans nos nations, dans nos villes, dans nos régions. Nous te prions, Père, afin que leur soit communiquée la sagesse, l'intelligence, la maîtrise de soi pour prendre des décisions qui fassent le bien pour les hommes, qui fassent le bien pour ton Église. Père, nous te prions, Père, afin que ce soit les plans, les desseins que tu as pour les nations qui se manifestent, qu'aucune de leurs décisions, aucune des décisions qui soient poussées par la peur, par les inquiétudes, par la stupeur, ne soit ce qui les poussera à prendre des décisions. Maloko bareba sokoria. Toute décision
qui irait contre les intérêts des hommes et contre tes desseins. Père, que ces décisions ne soient pas prises. Nous te le demandons, Père. Nous te le demandons, Père, avec action de grâce et reconnaissance, dans le nom de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre point de prière et nous allons prier pour qu'au mois de février, le Seigneur incline les cœurs des rois et qu'il élève des Mardochée, des Joseph, d'Arimathée, dans les différentes sphères des nations dans lesquelles nous sommes. Il est écrit dans Esther 9, verset 3, dans la version seconde 21. De plus, tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs tant ils avaient peur de Mardochée. En effet, celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces car il exerçait une influence grandissante. Bien-aimés, il y a aujourd'hui des conseillers qui sont autour, qui ne sont pas inspirés par l'Esprit. Et il faut qu'il y ait des Mardochée, il faut qu'il y ait des Joseph d'Arimathée, il faut qu'il y ait des Daniel, il faut qu'il y ait des Joseph, comme Joseph a été auprès de l'empereur d'Égypte. Il faut qu'il y ait des conseillers inspirés par le Saint-Esprit qui soient auprès d'eux. Alors élevons la voix pour que Dieu suscite au milieu d'eux ces Mardochée, ces Joseph, que le Seigneur incline les cœurs des rois afin qu'ils laissent la place à des hommes inspirés du Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit pour être des conseillers autour d'eux. Élevant la voix, élevant la voix. Malika Gosoko Barosia, Lebrosoko Marea. Joseph d'Arimathée a été celui qui a pu agir par l'influence qu'il avait auprès de Pilate pour obtenir le droit d'enterrer le corps de notre Seigneur dans un sépulcre qu'il avait acheté, Malébarosia. Pour faire de telles choses, il faut qu'il y ait des Joseph d'Arimathée, des Mardochée qui aient de l'influence. Il faut, Malokabarosia, il faut des Joseph, Malokabarosia, auprès de l'empereur Pharaon pour l'influencer et lui donner les stratégies pour l'économie. Il faut qu'il y ait des Daniel pour lui inspirer comment diriger le peuple, comment reprendre les choses, comment s'éloigner de l'orgueil lorsque l'orgueil vient s'attacher au cœur des rois. Il faut des hommes d'influence inspirés par le Saint-Esprit. Malibaroso, Père, nous te prions, incline les cœurs des rois afin qu'ils ne permettent que des Mardochée, que des Joseph, que des Daniel se rapprochent. Malo Kabarosia, que des hommes d'influence se rapprochent des rois, des hommes élevés en dignité et en autorité. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Nous allons élever la voix une dernière fois pour un dernier point de prière. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a accordé la grâce de prier sur cette première tranche horaire en ce cinquième jour. Colossiens 1, verset 3 dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et nous ne cessons de prier pour vous. » C'est lui qui nous a permis de prier, c'est lui qui nous permet de prier depuis le début de ces 21 jours. Alors élevons la voix ensemble et rendons grâce ensemble, rendons grâce à celui qui nous a permis de prier, à celui qui nous a permis d'élever la voix, à celui qui a rassemblé son peuple de toute la francophonie. Maloko barosi yamaha, likatozo maroseke barosi yaha, libarosoko mareba babo, libaroso marabaha. Élevant la voix et rendant grâce, Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous as conduit
de ce que tu as attiré ton peuple encore en cette première heure. Tu nous as attirés de toutes parts. Nous te bénissons, Père, de ce que tu nous as donné la capacité de prier sans cesse et de demeurer dans ce temps de jeûne et de prière. Père, merci. Merci pour cette capacité. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour l'esprit de prière. Béni soit ton Saint-Nom. Toi seul est notre Dieu. Toi seul est Seigneur. Toi seul règne d'éternité en éternité. À toi la puissance. À toi l'honneur. À toi l'élévation. À toi la majesté. Maroka Barossa. Nous te rendons grâce. Amen. Nous te rendons grâce. Amen. Nous te bénissons. Amen. Nous te sommes reconnaissants. Amen. De ce que tu nous as fait prier. Amen. En cette première heure. Amen. En ce cinquième jour. Amen. Nous te sommes reconnaissants. Amen. D'avoir attiré ton peuple des quatre Amen. Coins de la nation. Des quatre coins de la terre, de toute la francophonie et au-delà. Merci Père pour la capacité. Merci pour l'esprit de prière et de supplication. Merci pour ta grâce répandue sur ton Église. Merci pour ce programme. À toi seul soit l'honneur. À toi soit la majesté. À toi soit l'élévation. À toi soit l'honneur, d'éternité en éternité. Amen. Merci Père pour ta bonté, Amen. Merci pour ta miséricorde. Amen. Honneur, louange et gloire, Amen. À toi notre Dieu. Amen, amen, amen. 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 Excellente journée à toutes et à tous et nous nous retrouvons tout à l'heure pour le prochain temps de prière. Que Dieu vous bénisse.